Pas de chien qui peut traverser. Mais si, il est passé là. Il faut quand même pas exagérer. Et comment il était? De quelle race d'abord? Tu sais bien que mais j'y connais rien, moi, en race de chien. Ah, bah faut quand même pas exagérer. Il était de quelle couleur? Il était gris. Non, ah, d'abord, les chiens sont noirs. Quelle grandeur? Eh ben, il était gris foncé. Il faut quand même pas exagérer. Les chiens, ils sortent jamais de la maison. Non, mais. Faut quand même pas exagérer. Ce chien est rentré chez vous, je l'invente pas. Il faut quand même pas exagérer. Non, mais vous racontez n'importe quoi, vous êtes d'une mauvaise foi. Et comme ça, ça sera réglé. Faut quand même pas exagérer, non? Ça veut dire quoi, ça? Vous dites n'importe quoi et en plus, vous êtes d'une mauvaise foi. Non, mais venez voir ce qu'ils ont fait, regardez. J'invente pas. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, leur chien, ces gens me soutiennent que c'est pas leur chien. Mais Lou, attendez, on va régler tout ça. Nous, on a un nouveau chef qui vient de Narbonne depuis 3 jours, il est pas commode, alors on va voir avec le chef. Est en train de raconter je suis pas de mauvaise... En plus, j'ai très mal au bras, alors laissez-moi tranquille, attendez, on va... Regardez, qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? Vous savez conduire? Vous voulez mes clés? Les chiens. Mais non, ma femme, vous dites n'importe quoi. Vous n'êtes même pas capable de dire qu'est-ce que c'est comme chien. Ça peut être n'importe quel chien. Nos chiens, ils sortent pas en plus de ça. J'y connais rien en race de chien. Si tu prends les mesures, le chien de ces gens est rentré dans la maison. Et moi, j'ai quitté la route. Mais elle dit n'importe quoi. Écoutez, je vais vous calmer, monsieur. Mais pourquoi? Mais écoutez, vous voulez pas la mauvaise foi de cette personne? Monsieur, on connaît votre réputation. Ça veut dire quoi, ça, monsieur? Il ne faut pas insinuer parce que nous, les gendarmes avant, on les connaissait bien. Il n'y a jamais eu de problème ici, monsieur. Je suis désolé. Elle est d'une mauvaise foi infernale. Je ne suis pas de mauvaise foi. En plus, j'ai mal au bras. Moi, je suis artiste, monsieur. Et cette dame, c'est la maman de Patrice Sébastien. Ça tombe bien, je n'aime pas. Oui, enfin, le problème n'est pas là, monsieur. Ah, mais écoutez, franchement. Mais non, mais que vous ne l'aimiez pas, c'est une chance. C'est pas une raison pour quand même. Mais dis donc, parlez-moi sur l'autre ton. Excusez-moi, parce que vous êtes trouvé le meilleur que vous avez parlé sur ce ton-là, madame. Mais dites donc, moi, je vous ai jamais... Vous êtes bien agressif, quand même. Je ne suis pas agressif. J'exagère un petit peu. Hein. Quelle est votre réputation? Quelle est votre réputation? Qu'est-ce qu'on a comme réputation, monsieur? Réputation, on va le faire, écoute. Bah, déjà, et puis je vous trouve très désagréable, monsieur. Et en plus de ça, vous manquez un peu de respect à madame en parlant de choses comme vous parlez. Vous savez, j'ai entendu sa réputation, qu'elle ne veut pas les gendarmes. Pourtant, je peux vous dire que énormément et qui m'aime beaucoup. Oui, oui, mais je sais pas de quoi vous mêlez, on est en train de discuter de cette histoire de chien, alors laissez-nous tranquille. Et je me mets à jouer. Vous parlez pourquoi? Parce que vous êtes la mère de Patrick Sébastien, vous parlez pour qui, madame? Ah oui, ça c'est sûr. Moi, je m'appelle madame Dédé Bouteau. Oui. Voilà, et je suis madame Dédé Bouteau et je le resterai toujours. Oui, c'est ça. Oui, monsieur. Vous avez envie de m'insulter, là? Dis-moi, vous? Oui. Oh, sûrement pas. Sûrement pas? Je me suis jamais abaissé à faire ça. Vous n'êtes jamais abaissé à insulter un flic? Non, monsieur. Vous n'auriez pas le courage en plus. Vous n'avez pas le droit. Comment? Là, vous allez un peu loin. Poli. Comment je vais un peu loin? Non, quand même. Voilà, mais laisse faire. Madame, elle a envie de me traiter de con. Qui, moi? Oui. Vous pensez, vous regardez mes pensées, vous? Oui. Je sais que vous avez envie de me traiter de con, mais vous n'osez pas vous le dire. On va regarder ça. Écoutez, je pense que quand même. Là, vous allez un peu loin. C'est un peu des limites. Moi, je vais vous dire, je vais voir votre chef. Si vous avez une super bien, je vais le voir. Les vedettes. Mais il n'est pas question d'être vedette. Il est question que cette personne est d'une mauvaise foi infernale. C'est vous qui êtes de mauvaise foi, non mais c'est incroyable, ça fait une heure que je vous dis que c'est votre chien. Mais comment vous pouvez savoir? Les chiens, ils ne sortent pas. Eh ben, allez le chercher, votre chien. Alors, non, dites-moi d'abord comment il est, c'est ça, parce que mais vous êtes incapable. Mais j'y connais rien en race de chien. Ah ben, alors, si vous n'êtes même pas capable de reconnaître un chien, demande comment vous pouvez conduire. Madame me dit, les chiens ne vont jamais sur la route. Mais enfin, elle a l'habitude de venir ici, elle le sait très bien, ils sont toujours fermés. On allait faire la fête. Comment? On allait faire la fête. Ça, c'est notre problème, hein. Oui. Ça vous regarde pas. Hein. Moi, ce que je veux, vous savez, monsieur, ça fait 3 ans que je suis arrivé ici et je vous mettrai pas, moi. Oh, bah, écoutez, monsieur, vous allez peut-être essayer de me mettre pas. C'est beau, le nouveau gouvernement. Mais pour arrêter là-dessus, bon, en gros. Qu'est-ce qui commence à bien faire, madame? Vous rendez compte quand vous permettez de me parler? C'est pas parce que vous êtes la mère de notre con là, que vous allez me parler comme ça, non? Mais vraiment. Ah, bah, dis donc. Chapeau, hein. Je te fous de ma gueule, en plus. Mais non, pas du tout, ma femme, vous avez vu comment vous le bagage, là, quand même. Vous voulez qu'on prenne les noms, peut-être, chef? Oui, je m'appelle madame. Bonjour, maman. Papa!